Bonjour, bienvenue dans Un son de cœur, une vie éloignée. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de expliquer les concepts de Docker. Aujourd'hui, on va parler de dangling images. Les dangling images ou images en suspens sont des images non taguées et non utilisées par des conteneurs. Les dangling images sont aussi connues comme les images none.none. Pourquoi ? Parce que les informations de leur repository et tag sont vides. Dis-moi, concrètement, dans quel cas je peux avoir ces dangling images? Eh bien, lorsque vous créez une image et que vous en recréez une avec le même nom et le même tag, alors l'ancienne image devient une dangling image. Mais attention, même si ces images ne sont plus utilisées, elles prennent de la place sur le disque dur. Ah, passons à la partie préférée. On va voir des commandes à utiliser au quotidien. Pour afficher la liste des images non utilisées et non taguées, on va taper docker image -f dangling égale true. Pour les supprimer, on utilise la commande docker image prune, une commande très importante et utile. Et, petite astuce, si vous n'acceptez pas le prompt, vous pouvez lister les images dangling. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.